Aujourd'hui, on fait à manger. Aujourd'hui, on va. Aujourd'hui, on parodie des sons. Alors, premier son. Moi, je m'appelle Weshden. La la la. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme cuisine? Oui. On est en juin. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire juin? Ça veut fête dire foyer. Fête. Et ben non, parce que tout est annulé à cause du. En gros, on va faire des churros, qui est une cuisine de l'été, c'est la feta, c'est tranquille, c'est la fête foraine. Malheureusement, il n'y a pas trop de fêtes en ce moment, du coup, on fait la fête en faisant de la bouffe. D'abord, il faut un petit fond. D'où vient le churros? Allez, on commence. Fais une petite cam, bouge, bleu. Ouais, vas-y, c'est toujours moi, donc moi je le prends comme ça, tu vois. Allez. Je suis sûr, imagine que tu mets. Vas-y, tu fais un montage, assis-toi, et tu mets à chacun nos têtes qu'on avait en troisième. Oh putain, les cheveux. Oh. Alors maintenant, les ingrédients. Voilà. Et voici les churros. Ils sont bons, hein. Maintenant, en passant à la dégustation. J'ai pas beaucoup de farine, frère, donc je te garantis pas la résultat. On en fait combien, mec? On en fait 25? Je dirais du 30. T'as combien de 30. Attends, 30, ça fait beaucoup. T'as combien de 2? T'as 32? Non. J'en ai 24. D'accord. Pourquoi t'as autant d'œufs chez toi? Ah, c'est ça. Ah, bah tu sais pas, moi on mange tes œufs. Bah, du coup, dis-moi ce qu'il faut en plus. Du sel. De l'eau. Genre, ça, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Ah! Saladier! Ah! C'est quoi un saladier? C'est quoi ça, frère? Mec, je mange pas ça là. Donc... C'est un grand bol. Est-ce qu'on a déjà fait des churros? Ou non. Non. Mais on a quand même mangé, donc je sais pas si ça compte. Encore pour les œufs battus, mélanger et laisser à pâte reposer une heure au frais. Le temps de faire chauffer l'huile, il se passera du temps donc. Et on fait quoi du coup? Comment on fait? Tu le... On va faire bouillir l'eau avec le beurre. On sentit que ça fait un décilitre. On zoom. Mais c'est merde. Faut pas le mettre. La casserole, c'est ça la casserole. Mmh. T'as mis le sel alors que. Mais c'est pas ça une casserole. Saladier, ça. Bon, attendez, du coup. Oh. Ah, je mets. L'eau, tu mets l'eau. Non mais ça. Oh, on sent que ça va être bien. On va faire de la farine avec du coucher plus quoi. On voit qu'ils sont forts en cuisine. Non mais on va mettre la farine. Ah. Vous allez mettre dans un saladier 100 grammes de farine. C'est quoi? Attends, c'est. Tu tamises. Non, mais faut que je les mette, les 100 grammes. D'abord, faut que tu les tamises. Oui, mais faut comment je sais 100 grammes? Les tamiser, c'est avec ça, c'est genre quand tu saupoudres. Oui, mais déjà, faut les peser, les 100 grammes. Ça tombe? T'inquiète, c'est juste que t'as un bon gros tamis, mais. Non, en fait, c'est une passoire pour les pâtes. Tamiser, ça veut dire juste dire qu'il y a une espèce. En attendant que Romain tamise la farine, nous allons faire un petit interlude musical avec Louis. Oui. J'adore les churros avec de la farine et du sucre glace. T'as une araignée sur ton comptoir. Tu rames bien le fromage pour avoir un meilleur résultat. Oui, c'est compliqué. Ah, c'est mieux comme ça. Oui. Tiens, pour nous. Donc là. Pour mieux tamiser, vous devez tapoter la farine. J'essaye de ne pas réagir. Faites un récupérer. Récupère. Tu t'es lavé les mains, bien sûr. Ouais, t'inquiète. T'essayes de cacher ton sourire. Si, tu t'es lavé les mains pour la caméra. Je me suis lavé les mains. C'est plus tard. Alors, les œufs. Mais j'ai faim, je peux manger. Arrête de bouffer les œufs. Ah, je mange les œufs comme ça. C'est marqué quoi dessus? Non, en fait, la date sur les œufs, c'est la date où le poussin éclot. Si tu manges pas l'œuf, le poussin éclot. Je sais pas si tu sais. Non, mais j'ai eu un travail. Nous sommes ici au sommet de l'ambiance, la plus grande fiesta de tout l'été. On tamise la farine. Romain, 32 ans. Tamisier, vous nous donnez un petit mot. Romain, qu'avez-vous à dire sur cette situation? Oh, je mets ça part. Moi, je tamise beaucoup. J'ai eu beaucoup d'entraînement durant ma jeunesse, de 14 à 15 ans. Alors, nous allons mettre un œuf. Non, pas du tout. Oh, c'est joli. Alors, avec une cuillère en bois, vous allez obtenir rapidement une pâte épaisse mais de texture homogène. Ah, encore pour les œufs battus, mélangez. Ouais, bah non, on va pas mettre les œufs là-dedans, vous êtes fous quoi, faut un truc plus grand. Hop. Ok. Oui, qu'as-tu dit sur cette expérience? Bonjour, c'est carré. Mais comment on va en faire 30 avec 5? Non, on va en faire 2. Mais oui, je sais pas ce qu'ils ont mis sur Barbiton, mais il y a un bugasse hein. À la fin de cette vidéo, il y aura un sondage et ce sera marqué quel. Bah attends, on va regarder la vidéo. Non, non, j'ai pas envie de regarder la vidéo parce que là, je sais pas comment on fait ça. On se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on a fait mal. Ah, c'est des mini churros! Oui, mais non, c'est parce qu'ils ont choisi de les faire comme ça, mais tu peux les faire oui, aussi non, long. Oui, non, on peut faire aussi long que tu veux, mais si on les fait aussi long qu'on veut, on aura 3. Faut faire le truc pour faire la forme des churros, puisqu'on n'a pas le truc qui fait la forme des churros. On va suivre un tutoriel, donc c'est fait par les mêmes mecs qui ont fait cette recette. Alors, au moins, on est bien. On cul. Pas. Voilà. Pourquoi t'as pris un couteau à beurre, Louis?
Pourquoi t'es debout toi? Je sais pas. Pourquoi t'es debout toi? Je rigole. Je t'aime. Bah. Ah, c'est comme quand tu faisais un gros joint à l'école. Okay. C'est très fragile. Hein. Ça colle pas. Oh! Regarde, hop, tu prends comme ça, hop. Ça va être chaud, frère. Hein. T'inquiète, t'inquiète, je suis un pro. Vous avez dit on va mettre la pâte maintenant alors que le truc il a même pas commencé à chauffer. Je sais pas moi qui ai dit ça. Romain? Mais non, mais c'est le temps pour. Ça va mettre 15 minutes comme ça. Non, mais t'inquiète. Ça met combien de temps? Je sais pas du tout. C'est marqué sur la friteuse. Pour aller à 120-80 degrés, c'est 15 minutes. Non, ça cuit en 15 minutes. Après, ça, c'est le temps de chauffage, c'est pas pareil. Je suis pas sûr. Non. Je te rappelle que t'as déjà de la sauce dedans. Pourquoi on n'aurait pas coupé avant? Je t'avais prévenu, Romain. Il a dit, ne mets pas la sauce maintenant. Tu m'as dit, non, t'en code, direct. Je pensais que en fait, ça serait plus long. Où est le téléphone de Romain? Calcule bien. Là, vas-y, viens. Ah. Je vais faire une partie pour ça. Pardon. Non, en fait, ça fait chier quand même la friteuse là. Parce que. Mais là, le baillard. Ah non, baillard. Prends le tamisier. Et tu te calmes. Et quand tu pourras enlever le tamisier, tu joues à personne. Vogel, vogel. Tais-toi. Regarde-le, c'est mec. Tranquille, je suis en train de jouer. Je suis en train de faire la partie, je vais défoncer, c'est un IA. Attends. Ouh, bienvenue mon vlog. Mais en fait, je voulais dire un truc, mais je. Arrête. Ouh. Regarde, Romain, qu'est-ce que je joue? Je joue ma boîte à l'œuf. L'œuf qui est mort avec la vieille sauce dedans. C'est quoi de la sauce? Voici l'histoire du scotch. Ah, ça sent la graine là, ça sent la piquant. Ça sent la graine. Ça sent trop bon, putain, ça sent une chose. Waouh, j'adore la vie. T'es qui toi? Ouais, une grosse partie de mon côté. Ok, tu m'as. Oh, et si tu fais partie de ces gens qui disent aïe alors qu'ils sont pas mal? Des gens qui disent aïe alors que t'as même pas tapé le truc. Aïe! Challenge! Ok, je dois le mettre 4 fois de suite. Ouais, on va. 2, 3, est-ce que le quatrième va rentrer? 4, il n'a pas vu. Putain! C'est bête, je suis parti. C'est bon, oh non, c'est bête. J'en remets dedans comme ça. Regarde, il y a un truc qui tombe. Oh merde. Non, mais en fait, t'as déjà coupé le trou? Non, ça s'est ouvert. Alors attention, TikTok. TikTok, il va faire un TikTok. Fais un TikTok en live. Je sais pas faire. Tu as la caméra, mm-hmm. T'appuies sur le bouton timer là, et t'auras 3 secondes. Et là, ensuite, tu danses. Cité de France. Vous voulez qu'on les mette dans la truc parce qu'en fait ça va faire de bruit, ça va pas bouillir tant que tu mets pas de truc dans lui. Donc venez, on y va. Regarde, hop, voilà. Faites un silence pour qu'on montre que ça se passe bien, ok. Nous avons ici la pâte et nous nous apprêtons à la mettre dans l'huile. Regarde, hop, tu fais une boule plus grosse. Tiens, ouvre la feuilletière. Là, t'as pas mais... là, tu le glisses. Tout bien. Ok. Attends, on va être okay. Parfait. Parfait. De quoi? Voilà, comme ça exactement. Plein de coups. Comme ça. Et c'est parfait ça. Ok. On dirait des poulets, on dirait des chicken. Oui, c'est ce que je dis, ouais. Avant, je c'est clean, hein. Là, c'est un plan carré, là. En fait. En fait, j'ai besoin du coup. Ah, ok. Regarde, on dirait une aile de poulet à la crevette. Ça, c'est un petit ouais. Poulet. Ouki. Chichi, 3 euros, le chichi. La bœuf. Oh, c'est les rêves, ça. Oh, il est beau, gosse. Ah, j'ai. Coupe. Tu coupes. Coupe. Oh. Attends, on va faire un sondage. Okay. Qui parmi vous connaît le cynorhodon? Si tu connais le cynorhodon, ça veut dire que 99% ne pourront pas connaître ce fruit. Si tu es un homme, tu as plus de chances que d'être une femme. Like la photo avec ton nez. Ok, c'est de près. Regarde lui, on dirait un ananas parce qu'il a pris la marque de... Oh putain. Est-ce que ça, c'est assez cuit? Ouais. Bienvenue dans la dégustation de churros. Deux petits churros, nique ta mère. Petit churros. Alors, premier. On ne dirait pas
en apparence que c'est des churros. Non. En tant qu'artiste professionnel, nous avons fait des churros à plusieurs formes. Par exemple, une baleine. Il est où le poulet? Le poulet tenders, il est là. Et ananas, on sait pas. Ça, c'est le cancer. Ananas, il est là. Il y a juste quelques problèmes. Ok. Nous allons maintenant passer à la dégustation. Vas-y, prends un. 3, 2, 1. C'est bon, ouais. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Oh, tiens, c'est bon. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. Que sinon, allez voir les forains. On a mis combien de temps là? Une heure et demie? Tu commandes des churros, il fait attends. Attends, mon gars. Il fait 1h30. Ah, monsieur Nico. Oh, t'as Mais encore ceux-là, ils sont petits quoi. Bah oui, non, mais c'est bon, en vrai, là par exemple, ça, tu vois, cette taille, ça va. Non, mais regardez, attends, d'où ça ressemble pas à un churros. Voilà, merci d'avoir regardé. Peut-être une autre cuisine dans un mois. Ouais, mais peut-être dans ma maison. En attendant, merci d'avoir regardé et passé un très bon été. Moi, je vous aime. Merci à tous. Pamplemousse. C'est drôle, hein. Vas-y, Déo. Déo, favor. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Allez, mon coup.